En mois de juin, nous avons commencé à faire casting et nous avons fait 2 mois de préparation à mesdames. Mesdames ont passé plusieurs événements pendant 2 mois. Je suis des cours de sociologie, des cours de yoga, du sport, des cours de langage, d'articuler quand ils parlent, comme moi bien sûr. Et, mais ils ont passé un bon moment et puis ce soir, c'est le final. Miss là, pour prendre en main pour le ministère du tourisme. Le ministère du tourisme a bâti un encadrement. Il faut aller dans plusieurs forts touristiques pendant l'année et dans plusieurs événements pour le ministère du tourisme. Le ministère du tourisme est engagé cette année à supporter la réalisation de Miss Haïti, accompagné d'un secteur privé, des membres du secteur privé, que je profite de saluer, un comité hyperactif et qui a pu délivrer en moins de 3 mois et cette soirée que nous allons voir là. Et ça fait 2 mois qu'ils travaillent d'arrache-pied pour vraiment encadrer, guider des jeunes filles haïtiennes qui sont venues d'un peu partout. Donc bien entendu, le ministère du tourisme, dans sa quête de promotion du pays, a fait le choix de s'engager, de prendre cet événement sous sa tutelle avec le support du secteur du comité privé pour vraiment permettre que cet événement est non seulement et au niveau national soit reconnu, mais aussi au niveau international. Papa, Pierre
Stéphane. Chama, tu prie. Venez, venez, venez. Mais bon, Caroline Mills. Caroline Mills. Faites pas la roue. Et avec la Caroline Désert. Je
faire le choix de répondre en français ou en créole. Tu as 60 secondes pour répondre et tu vas rester sur le coup. Alors, pensez-vous avoir la capacité de représenter votre pays si vous êtes élu? Oh. Est-ce qu'on pense qu'il y a capacité pour représenter le pays ou sous élu Miss Nassoya? Définitivement. Moi, je crois que je suis ambassadrice pour femme haïtienne. Nos plages, nos sites touristiques. Et
si je suis élu Miss Haïti, j'aimerais changer l'image du pays d'abord pour encourager le tourisme local et ensuite pour faire le pays ailleurs connaître l'Haïti que je connais. Caroline, 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 Caroline,
On passe à la deuxième dauphine. Là, ça commence à chauffer. Parce que là, on rentre que le carré des trois. Deuxième dauphine, Christine Désir. Pendant qu'elle se met en place, j'en profite pour faire un petit coup à ma maman qui est ici et à mon père. Carolina, Kao. Maintenant, nous arrivons au résultat final. Carolina, Kao. Elle a peut-être rêvé depuis longtemps de ce moment. Tu peux respirer, tu as gagné, tu vas représenter Haïti, tu es Miss Haïti 2014. Toutes nos félicitations à la nouvelle Miss Haïti 2014. Au nom de Caroline. Au nom de Caroline. Caroline Désert, qui se voit offert sa couronne par notre ministre du tourisme. Stéphanie. Je voulais supporter jeunesse là, je voulais supporter femme yo,
Mwen vle Haiti panse. E sa pa seman pou vin ane. Mwen kontinye travay pou Haiti. Mersi. Merci à vous encore une fois. Bravo, bravo, bravo. Caroline. Samle. One last word. Je vous ai pas dit, elle parle anglais, créole, français. Très très bien. Je suis une personne, même et dame. Oui, j'ai la couronne, même qui est indigne de toute salle, toute misérée. Ok? Oui, le même. Bravo, 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 bravo.